ministère li prend une décision côté que li énumérer tous les 10 matières qui pral obligatoire dans examen 9e année fondamentale à partir année 2023-2024. M'a énuméré là. Gen matières traditionnelles qui étaient déjà là déjà que ministère reconfirmé. Tant que mathématiques qui 300 points. Créole a gen changement parce que au lieu de 200 points qui était coefficient qui était comptabilisé pour examen 9e année, à partir de l'année prochaine, créole a passé de 200 points à 300 points. Même gens tant que français. Anglais 200 points. Espagnol 200 points. Ça n'a pas changé. Sciences sociales, eh bien, l'a gagné 100 points en plus. Au lieu de 200 points, l'a monté à 300 points. Son pays qui a un gros déficit de citoyenneté, et l'un en pile monde toujours pas d'éducation civique, éducation à la citoyenneté, eh bien, il y a dans matière qui est les sciences sociales là. Donc, c'est pour ça, il est très important pour que nous augmentions le coefficient. 300 points. Même bagaille pour sciences expérimentales, son pays qui a besoin de développer la science. Et c'est pour ça qu'il a passé de 200 points à 300 points. Dans ce gain pour avec deux langues officielles, les élèves ont gagné le choix pour composer ou bien créole ou bien en français. Dans ce qui concerne l'année l'école 2023-2024, le ministère a déjà annoncé à tous les parents qu'ils n'ont pas obligé d'acheter livres pour première année et deuxième année. Parce que tout directeur de l'école publique et privée pays, le ministère a annoncé officiellement qu'à partir du mois de juin, il a commencé à distribuer livres uniques en créole pour premier avec deuxième année de l'école et que il a déjà mis ça dans la liste que a promis Timounio parce que avec l'ISA, le livre a gagné tout contenu obligatoire si moun yo doit apprendre et gon ka exercice tout qui donc nous paraît pour nous commencer faire on l'école qui chita sous culture locale, on l'école qui basée sur la science et qui permettent que li répondre à mission que société a bali et de transformer pays.